Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte pour ma part de Deathloop. Oui, il est sorti enfin sur Xbox et en plus sur le Game Pass, donc pour les joueurs PC, il sera gratuit sur le Game Pass PC. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force. Dans la description vous aurez tous mes réseaux sociaux et je vous laisse directement pour le Let's Play. Let's go. Oh, la dernière fois, pourquoi tu ne sers pas? Donne-moi juste une seconde. Tu fais aucun effort. J'ai pas la moindre idée de... Merde, what? Ça sent pas bon. Tu vas te dépêcher, oui. What the f... On prend... C'était quoi? Il est beau, hein? Stupide cauchemar. Très très beau. Putain, faut que j'arrête la picole. Ça fait du bien, un jeu en voix française. Comment je suis arrivé là? Waouh! Franchement, pour l'instant, là, je le trouve super beau. Je sais pas s'ils ont fait une amélioration Xbox ou quoi, j'en sais rien du tout. Bordel! Mais c'est... C'est glacé, chiot, putain! Oh, je vais crever. Je vais mourir. Ok, attends, ouais, sprinter, ok, coup de pompe. Ok, je vais regarder s'il n'y a pas un mode performance. Un flou flou de mouvement. J'en veux pas. J'ai horreur des flous de mouvement. Mais par contre, ouais, le champ de vision, je vais le mettre à 100, en vrai. C'est pas très agréable. En vrai, je vais le laisser en qualité visuelle, hein, c'était pas vraiment dérangeant. Hein. Oh, regarde, c'est pas... C'est pas dégueu, on va laisser par défaut. Ok. Alors. Brise la boucle. Dites-moi que je rêve. Non, toujours là. Je le vois et merde. Et là on a quoi? Ah, j'ai pas compris le truc là. Qui es-tu? Qui suis-je? Mon nom. Bordel de merde! C'est quoi mon nom? Pourquoi il y a une croix ici? Il doit y avoir un truc à faire là? Genre des petits succès ou... Je sais pas, bah bref, on va avancer. Il doit y avoir un petit didacticiel. Vous ne savez pas où vous êtes. N'ayez pas peur. Franck le baratineur va prendre bien soin de vous. Voici. Oh mince. Alors là on a quoi? Des munitions, super. Oh, une traillette. Et tirer, recharger, ok, on n'est pas trop bête. Pistolet mitrailleur d'infanterie légère. Pourquoi je sais ça? Oh, ok. Ah, c'est clair, pourquoi tu sais ça? Tu t'imagines, tu te réveilles un matin, tu sais plus comment tu t'appelles. Et tu dis, mais comment ça se passe ça? Oh, désaimant. Te revoilà. Joli. Ok, je pense que là, pour l'instant, ça sert pas à grand chose. Pas besoin de munitions. On a vu un petit peu ce que ça donnait. Oh, génial, bien sûr. Ok. Tiens, ça me rappelle un truc. Ça. Breloque. Sont empreintes du pouvoir de l'anomalie temporelle de Black Earth. Certaines amplifient vos talents et attributs, tandis que d'autres améliorent vos armes. Plus la breloque est de qualité, plus ses effets sont puissants. Vous pouvez équiper les breloques entre les missions, mais avant, il faut les récupérer. Vous les trouvez cachées un peu partout dans le Black Earth ou à prendre sur vos ennemis. Ça okay. C'est bon, hein? Je me sens tout drôle. Es-tu niqué? Moitié génie, moitié connard, complètement geek. Sa module transposition le rend difficile à coincer. C'est un peu flippant. Ah, c'est clair. Tu te demandes quoi? Tu t'arrives là déjà, tu te réveilles, tu dis wow. Wow, tu vois des trucs écrits un peu partout, tu dis wow. Quelle substance j'ai pris hier? C'est quoi ce cirque? Akamajig. Des mots bizarres. Black Reef. On doit être hors saison. Ouais, c'est moi qui ai fait ça, je crois. Ben ouais, mais c'est un geek, le mec, hein. Il est trop stylé, hein. Hack Magic. Utiliser le Hack Magic pour pirater les
appareils électroniques et les retourner à votre avantage. Visez un appareil en appuyant sur LB, donc L1 pour play, pour ceux qui découvrent le jeu et qui jouent sur PlayStation, LB pour pirater. Les lumières sur l'appareil vous indiquent la progression du piratage. Une fois piraté, certains appareils peuvent être déclenchés à distance à l'aide du Hakamagic. Visez l'appareil en question et appuyez sur LB. Tout appareil doté d'une antenne peut être piraté, c'est donc le cas des capteurs tourelles et volets de sécurité. Oh, eh, c'est intéressant, hein ? Vraiment ? Donc là, il y a une antenne. Ah, j'ai juste à rester appuyé, j'ai cru qu'il fallait clignoter, tu connais le code. Bordel, je connais aucun code. Hé, hey, allô ? Qu'est-ce que... What ? Quel code, mec ? What is it, the code ? Je devrais peut-être chercher ce foutu code. Je connais le code, qu'est-ce qu'il me raconte ? Je connais le code, de quoi je connais le code ? Oh, je cherche après le code, c'est ça ? Hé, hey, c'est mon nom, Colt ? C'est forcément ça, hein ? J'ai pas l'impression de m'appeler Colt. Ok, Colt. Allons trouver ce code. Et ça se peut que le code, c'est Colt. T'imagines le code, c'est Colt. La lettre C, A, B, C, 3. O, A, B, C, D, E, F. Tu vas jusqu'à O. Non, je dis des conneries, je pars un peu loin. Et j'ai joué à Tormented Soul toute la soirée hier. J'ai des énigmes plein la tête. J'en ai ras la casquette. C'est pour ça que j'ai pas mis ma casquette aujourd'hui. Non, je plaisante. J'ai envie de faire un petit live sans casquette, tout simplement. C'est quoi ça? Oh, j'ai cru que ça brillait parce qu'on peut casser. C'est froid! Putain, ouais. Attends. Tu peux froid, me fait mal, l'eau profonde, tu baignes interdit. Oh. Oh. Eh, hey, mais c'est un Death Run ce jeu! Hop là! Ah! Voilà. Ah ouais, si je vais dans de l'eau profonde, je meurs. Waouh, c'est quoi ça? C'est elle ? Va tenter de briser la boucle, en même temps que ses engagements envers Léon. Donc, le protocole entre en vigueur. Protéger les missionnaires, tuer Colt et profiter de votre journée. Ouais, ça présage rien de bon. Ok, donc elle doit nous empêcher de briser la boucle. Oh, exécution ! RB, lorsque vous l'interaction apparaît sur l'écran, ok. Je suis le revenant. Par contre, les dialogues doivent être le super revenant, bien. Baby. Oh yeah, baby, quick. Oh. 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 Il a disparu. Ça semblait trop facile. J'ai déjà fait ça, obligé. Oh shit, c'est propre, hein. Non, ça va. Donc en gros, si je comprends ce qu'il dit, tu peux... tu dois refaire le niveau. Quand tu meurs, en fait, tu retournes à la boucle. Et c'est pour ça, ouais. Ouais, ça marche, ouais, je pense que c'est ça. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Y pour changer l'arme, super. Oui, oui quoi? Oui. Ok, ça fait un peu comme Dishonored, le... Putain! Pourquoi je me rappelle pas? La propulsion là, tu vois. Tu peux pas monter ici, genre? Non. Oh. Donc attends. Pas besoin. Des armes. Je peux. Ah non, je peux passer au-dessus. Concentration, appuie sur le marqueur du bas pour marquer un ennemi affiché sur votre écran. Un indicateur de type d'arme qu'il porte. Ok. Ouais, en fait, il faut vraiment... genre, tu fais ça. Lui, il y a une hachette. Lui, il y a un pistolet. Lui, il y a une traillette. Il y en a un là. Lui, il y a une petite machette. Pour m'accroupir. B. Voilà. Si je prends... ma machette, je peux essayer de le contourner et de le tuer. Vas-y, vas-y. Ça me rappelle cette fois. Sauf que cette fois t'es morte. Oh.
Je pense qu'on peut passer par ici pour les tuer, non? Ah, il est tout seul, lui. Allez, on y va, on y va, on y va. On y va, c'est parce que le temps impacte, ça va pas durer, Rex. Ah. Attention! Chut! Voilà. Je peux les avoir, tu crois? Ah! Vas-y, viens, toi. On va essayer de les avoir en discrétion. Je suis sûr qu'il y a un succès de tuer tout le monde en furtivité. Et moi, je suis à la chasse au succès. Je me sens parfaitement bien. Tu vois que dalle, frère. Tu vois rien du tout, gars. Hop là. Ouais, allô? T'as tué ce bouffon ou quoi? Hein? Je... C'est Juliana, au cas où t'aurais oublié. Ok, en fait, je sais pas trop ce que j'ai foutu hier soir, mais si tu pouvais juste... Attends, quoi? T'as dit quoi? Je crois qu'on se connaît. On se connaît, hein? Bah, c'est un peu embrouillé. De quoi tu te souviens? Je m'appelle Colt. À propos de moi. Tu veux me tuer? Je sais pas pourquoi. Et je sais aussi un putain de code que je pige pas. Et il y a ces boucles. Tu veux briser la boucle, c'est ça? Ouais. Je crois, je pense. Ah. Écoute, si tu n'essaies pas de briser la boucle, je te tuerai encore et encore, de façon toujours plus violente, jusqu'à ce que tu le fasses. Ok, je vais la briser ta putain de boucle. Et quoi que j'ai fait pour t'emmerder, je suis désolé. Il m'a d'être marrant ce jeu. T'avais encore jamais dit ça avant. On était ensemble. Fais un tour dans la bibliothèque. Il faut que tu vois ça. Allons-y. Il est beau. Rien à dire. Utiliser les stations de soins pour guérir maintenant. Ok. Sauf que je n'ai pas besoin. Il a dit qu'il était en pleine forme. Qu'est-ce que t'attends? Ça va être une journée productive ou non? Bibliothèque. Bouge-toi le derche. Eh, hey, minute, papilleuse. Oh, l'alcool. Ouais! L'alcool, c'est de l'eau. Je peux pas le boire, genre. Ah non, c'est pour faire distraction. Diversion, pardon. Donc, bibliothèque, ils m'ont dit. C'est quoi ça? Ah, c'est ça la station de soins! D'accord! Too late? Breaking? Oh, je l'ai cassé! Ok. Super, tiens. Je me suis tase. La console m'a mis un coup. What the hell? Ah. Pas besoin de munitions. Pas besoin de munitions. Donc faut que j'essaie de éviter de taper sur les... sur les appareils électriques. Je sais pas à quoi ça sert. Mais bon. On découvre. On regarde... Oh, c'est stylé, ça. Imagine, le mec, tu rentres chez lui, il y a ça. Tu te sens un peu observé. Vraiment. Franchement, le jeu, il est vraiment... C'est pas là, la bibliothèque, Colt. Propre, hein. Je sais qu'elle est là, mais attends, laisse-moi découvrir un peu mon jeu, dis donc. Bon. Je suis dans la bibliothèque. Quoi que tu fasses, ne pousse pas ce levier. Hein? Quoi? T'es là? Putain. Très bien, je vais le pousser, ton levier. Ah, tu vas voir, c'est... Tire, tire, tu vas voir qu'en fait, il faut pas le tirer. Ça veut ça qu'on a jeté. Quoi? What the fuck? Tu te fais toujours avoir par les mêmes vieux trucs. Tu pourrais pas faire un effort pour rendre ça intéressant rien qu'une fois? C'est quoi ce truc de merde? Garnésis. Alors c'est comme ça que tu le prends. Tu sais que d'habitude, je suis sympa avec toi, espèce de sale ingrat. Mais... Ah. Moi, je vais te laisser te démerder. Oui, on est ensemble. Oh, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? La seule chose qui me préoccupe, c'est... On est ensemble. Tu t'en souviens pas? Et le code? Tu t'en souviens du code? Je connais pas le code.
Ne lui dis rien. Saute, tu survivras. Vas-y, on saute, hein. Putain, c'est quoi ce délire? T'es... Écoute-moi. Tu l'as noté sur Black Reef. Tu connais déjà le code. Qu'est-ce que ça veut dire, putain? Allô? T'es déjà mort? Oh, putain. Je t'attends toujours. Oh, mon poids. Qu'est-ce que t'es lourd? La carte postale, poulet. Tu l'as écrit sur la carte postale de Black Reef. Tu piges? Ok. Attends, je vais te lâcher. Attends. Non. Merde. Eh hey, mais c'est kiffant comme jeu. What? Je m'attendais pas à un truc comme ça, moi. Je viens trop de mourir. Bien. C'est quoi ce putain de bordel? Bon, carte postale. Va chercher la carte et tire-toi de cette plage. Allez. Ouvrir, examiner la carte postale. C'est la quête. Super. Le même matin. La même putain d'émission. Donc ouais, j'avais bien raison, c'est vraiment tu reviens en arrière, quoi. Ok, on est au maximum. Donc là, c'est bon. On avance. On récupère ça. Super. On reprend ça, le hacking. Ah. Putain de sale blague. Up, dame. 1051. Le code, c'est 1051. Pour le brisage de boucle. Tu ne briseras jamais, jamais la boucle. C'est... impossible. Tu veux que je la brise? Tu veux pas que je la brise? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu sois... pas un enfoiré. Super! C'est une matinée ou deux au top! J'en ai ma claque de toi! Et de voilà. Tout ce bordel! Ça se termine aujourd'hui! Et par où commencer? Hop d'homme! C'est évident! Le délire qu'on peut... Ouais... Je commence à croire que je suis pas un simple pêcheur, finalement. Charge Steel Lake. La charge Steel Lake est un explosif versatile. Offrant trois configurations, grenade, mine, proximité et mine laser. What? Ah mais c'est le feu de Dieu, ça, en vrai. Équipe la charge Steel et appuie sur la flèche de gauche. Maintiens la flèche de gauche pour sélectionner un mode. Oh. Bloqué arme crossière. Pourquoi on mettrait ça dans... Wow, putain. Good morning, Black Reef. Wow, oh, ok. C'est normal que ça fasse ça. Oh, c'est stylé. C'est bizarre. C'est grave stylé. Reprise. Cette mystérieuse pièce de métal semble vous appartenir. Le module vous confère la capacité de reprise permettant de revenir deux fois après... avoir trouvé la mort. Si vous mourrez une troisième fois, la boucle en cours prendra fin. Vous vous réveillerez au matin de la boucle suivante, dépourvu de tout équipement collecté à la boucle précédente. Après être revenu à la vie, grâce à une reprise, vous demeurez invisible quelques secondes. Profitez-en pour vous mettre à l'abri. Le nombre de résurrections prévues par la reprise est remis à zéro lors du voyage entre quartiers. Oh, okay. C'est un truc de fou, ça. J'y vais. Point du jour, vous possédez un flingue, une poignée de grenades et une adresse dans un coin appelé Up Down. Allez donc y trouver des réponses. C'est grave stylé, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Vous avez survécu, vous possédez un flingue, une poignée de grenades et une adresse dans un coin appelé Up Down. Ok, donc on a réussi la première boucle. Trouvez mon immeuble à Up Down. On continue. Oh, c'est comment c'est stylé en vrai. Donc en gros, ouais, je peux... C'est quoi ça? Fais un double saut dans les airs. Ok, réduit légèrement le recul. Donc là, je peux mettre des trucs dessus et tout sur mon arme. Oh, bienvenue dans Deathloop. Voici quelques conseils pour bien démarrer. Les pistes. Enregistrant les informations découvertes qui promettent à Colt de briser la boucle et de s'échapper de Black Reef. Vous trouverez ici les pistes que vous avez découvertes. Déplacez le curseur et appuyez sur A pour sélectionner ceci. Ok, piste visionnaire. Trouve mon immeuble à Updarm. Mon courrier arrive à une adresse à Updarm. J'ai le droit d'ouvrir ma boîte à lettres, même si j'ignore qui je suis, non? Voir la piste actuelle, le jour le plus long, vous l'utiliserez comme d'autres pistes du même genre. Au fil de Deathloop, pour vous guider et suivre votre progression. Appuyez sur B pour retenir. Revenir. C'est dangereux par ici, il faut vous équiper des meilleurs objets. Sélectionnez ceci avec le curseur, ok. Cet emplacement sont dédiés au module. D'étranges objets fournissent des aptitudes puissantes et hors du commun. Vous possédez actuellement reprise. Le module
personnel de Colt, qui lui donne une deuxième et troisième chance lorsqu'il meurt. Tuez des visionnaires et prenez leurs modules, vous pouvez les équiper et les améliorer ici. Les breloques sont de petits appareils pouvant vous donner de gros avantages. Certaines ajoutent de tout nouveaux aspects à vos attitudes de base. Vous avez déjà trouvé une breloque, utilisez le curseur pour sélectionner un emplacement. Ok, sélectionnez cette breloque pour l'équiper. Ce petit morceau de métal vous permettra d'effectuer des doubles sauts. Lorsqu'elle est équipée, appuyez une deuxième fois sur A après avoir sauté pour bondir dans les airs comme un super-héros. C'est excellent. B pour revenir. Lorsque vous aurez récupéré plus d'armes, vous pourrez les choisir ici. De nombreuses breloques modifient vos armes. Sélectionnez votre PMIF 10 avec le curseur et appuyez sur Y pour le modifier avec une breloque. Des armes de meilleure qualité peuvent accueillir plus de débreloques. Alors ouvrez l'œil pour en récupérer. Sélectionnez l'emplacement sur votre PMIF 10. Réduire le recul. Ok. Nickel. On revient en arrière. On revient en arrière jusqu'au menu. Vous êtes armé, vous êtes équipé et vous êtes prêt à briser les boucles. Enfin, normalement. Sélectionnez et maintenez ceci pour aller à Updame. Let's go. C'est vraiment bien expliqué. C'est vraiment bien. Place. Donc on a deux retours en arrière. On peut mourir trois fois. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay. Tu te demandes de faire quelque chose de différent et tu décides d'aller à Updame. Comment tu sais où je suis? T'as des caméras ou quoi? La radio repère ta position. T'as toujours l'air si surpris, comme si je ne savais pas exactement où t'allais. Je sais même pas moi-même où je vais. La place d'Orsay est juste en bas de la rue côté falaise. Laisse-moi deviner, premier étage. On dirait que tu attends une invitation. Pour que tu me remontres ta tireuse à bière. Un autre moi. Ce Colt-là en a plein le cul de te parler. Tu m'en diras. Votre propre style. Les ennemis et obstacles de Black Reef peuvent être éliminés de nombreuses manières. Combat, esquive, furtivité et ruse constituent tout autant l'approche possible. Attendez la fin d'une conversation pour isoler vos ennemis et éventuellement glaner de nouvelles informations. Installez des pièces et des pièges pour faire tomber vos cibles dedans. Ou engagez-vous au combat pur et simple, mais attendez-vous à affronter de possibles renforts. Attends, ah ouais. Tout le monde reconnaît ta stupide veste. Je l'aime cette veste. Attends, c'est écrit quoi? Suive tes arrières. Je suis pas venu ici, donc je vais regarder. J51. C'était le même code. Ah, 10 cartes mystère. De dame, absolument toute l'île est reliée par ces tunnels. On a vu une porte, c'est 10-51 le code. La mort est mort ici. Donc en gros, c'est soit j'y vais en discrétion, ou soit j'y vais en mode barbare. Je vais essayer d'aller voir un peu comment ça se passe. Autour. Faut que j'aille là-bas. Ok. Donc je regarde un petit peu partout. En fait, c'est toi qui décides. Hein. Il doit y avoir un autre moyen. Oh, il voit lui. Il doit y avoir un autre moyen, donc c'est pas ici que je dois passer. Peuple de Black Reef, je m'appelle Alexis d'Orsay et je tiens à vous accueillir personnellement dans le premier jour de cette éternité. Leur tour est réjouissant. Ne exagère pas, Colt. J'étais des pétards. Et amusez-vous bien. Il est une mémoire parfaite. Faut vérifier. Et c'est à moi de le faire, je suppose. Bon. D'accord. Arrivé tout seul, ça. Ah merde, mais de où il me voyait? Bon bah on va y aller à la barbare, hein. Voilà, santé, c'est compliqué, hein. Bon, le code, c'est pas ça, déjà. Oh, une nouvelle arme. Donc je vais changer d'arme. Non, je vais. On est à distance, donc on va essayer de faire. Oh. On va y aller à la barbare, on veut de l'action. Ok, tant pis. Barbare, c'est barbare. Donc attends, je peux aller là-bas du coup, ils m'ont pas vu les autres. Apparemment non, je vais prendre une bouteille au cas où. Là on a rien de spécial, non. Tu
Vas-y. On en a un là qui arrive. C'est quoi ce délire là? Ils me voient à travers les murs les mecs. Oh les mecs ils me voient à travers les murs, c'est quoi ça? Moi je suis un assassin. C'est eux qui me tirent dessus. C'est quoi ce délire? Aïe, c'est... L'âme elle s'est enrayée. Oh, il y en a un en haut. Tiens, breaking. Oh, c'est compliqué hein. Tu peux pas t'amuser à... Tu peux pas t'amuser à faire le barbare en vrai. Tu as vu la vie que j'ai perdue, c'était... Waouh. C'est pas une simulation. Bah... C'est compliqué quand même. Voilà, maintenir en ce soin, excellente. Donc là on a quoi du coup? Une pompe à bière. Donc qu'est-ce que ça je peux le péter? Ouais, ça on peut le péter. La bibliothèque est enfermée, la puissance de feu. Maintenant puissance de feu, je ferai bien. D'accord, j'ai pas compris. J'ai pas eu le temps de tout lire. Voilà. C'est quoi ça? C'est pas c'est quoi ça? Et je dois aller là-bas, on va aller là-bas. Des grenades. Ça genre je peux le casser ça? Non? Je peux pas casser ça. Mais vous allez mourir les gars, cherchez pas. Je me sens parfaitement bien. Ah bon, attends, je vais tester ici. Les mecs ils arrivent derrière moi non? Ah moi je veux taper sur tout le monde moi hein. Moi je vais pas m'emmerder à faire de la furtivité, je préfère vous le dire hein. Moi si je peux taper. On va taper à la barbare moi, on a rien pété. Ils sont super forts. Et moi SS je shoot. Heureusement qu'il y a la visée automatique hein. Parce que franchement j'ai pas vous mentir que je serai en PLS. Il y a du soin un peu partout donc ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Bloqué, je vais aller récupérer des munitions en bas parce qu'apparemment ça va être super important de prendre des petites munitions. Bien sûr, hop, hop. Oh c'est quoi ça? C'est l'artifice. Je peux prendre deux fusils à pompe, c'est ridicule. Récupérer mon arme, regardez mon arme, pardon. Lui, il y avait quoi? Il n'y a pas un fusil d'assaut, lui? Il y en a un qui était mort ici, que j'ai tué. Non, pas de fusil d'assaut. Pour le moment, que dalle. On va aller voir ceux qui étaient là-bas. C'est quoi ça? Rien. Ok, des petites munitions, super. Oh, ce truc. Je comprends pas. C'est bizarre. Les premiers arrivés ont une chance de mettre la main sur un
Ah, des notes. Vous faites pas si vous voulez lire, moi je lis pas. Ça c'est quoi ça? Signal de piratage. Ok. Pas trop compris. Et là on a un code peut-être encore. Ok, ça fonctionne aussi. Super. Le 1051 il marche un peu partout. Là on voit que dalle. Là on a un autre bout. Non, je peux pas partir, je commence tout juste. Ok. Boum. Ça dégage, ah j'adore. La petite musique un peu fun là, la 13 un peu. La musique elle me fait penser à 13, le jeu 13. Pas besoin de munitions. Du gros calibre. Ok. Mais c'est pas de gros calibre. Non, c'est ça le problème. Va. Donc là, y'a personne qui avait vraiment des autres munitions ou quoi? Non. Les balles ne coûtent rien. Ok. Une bouteille. Ouais, donc en gros, tu peux vraiment choisir si tu veux y aller à la barbare ou si tu veux y aller en discrétion. Moi, je préfère y aller à la barbare. Personnellement. Moi je veux que ça saigne. Ok. On peut pas monter plus haut. Oh je peux en mettre deux maintenant de trucs dedans. Ok. T'as, y'a de la vie partout en vrai. C'est quoi ça? Mon appart. Y'a peut-être une autre entrée. Ah ils l'ont fermé. Que n'ai-je pas apporté? C'est quoi ça? Oh, on peut avoir des munitions. Excellent. Ton nirvana, une corne d'abondance prismatique à mélanger, comme la peinture, comme l'amour. Est-ce que j'aime le feu des projecteurs? Les projecteurs ne sont rien d'autre que l'attention suprême de l'œil au centre du monde. Parfois ils te regardent, parfois ils voient, mais le plus souvent, ils n'ont. On a tué plusieurs, non? Pourquoi c'est écrit oups? J'ai provoqué la chute d'un mec. J'ai provoqué la chute d'un mec. Oh merde. Oh. J'ai cru que c'était encore un fusil à pompe, mais non. Il faut que je déraye mon arme là. Désenrayer. Elle est stylée cette arme là, attends, faut que je reprenne des munitions. Merci beaucoup, on va recharger. Eh, j'ai 3 armes. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Ok, j'avais pas trop compris. Je me suis dit, mais ça va un fusil à pompe tout à l'heure. Donc là, on a tué du monde. Oh, open the door. De la santé, nickel chrome. J'ai provoqué la chute de quelqu'un. Du coup, j'ai eu un petit succès, plutôt pas mal. Donc, on va aller à l'objectif directement. C'est écrit quoi là? En avance pour la fête. Pas de loup ici, pas de loup. Était. J'avais oublié, je pouvais sauter 2 fois. Je suis mauvais. Nous voilà. Un autre domicile. Ici. C'est étroit. Ah, débloqué. Personnelle élégante. Oh, une nouvelle arme. Arme ampoule. Colt peut manier une arme dans chaque main. Bah ouais, mais ça, il faut le savoir, ça. Parfait. Comment tu fais ça chez soi. Ou enchaîner les têtes en toute discrétion pneumatique, ouais. Ah ouais. Ça, par contre, ça va être stylé. Les petits clous, là. Donc, du coup, je peux faire la flèche de droite et prendre mon arme. Ah ouais. J'ai un petit message. Waouh. Joli. Lila. N'abandonne pas. N'abandonne qui, là pas. Sa copine? Pas question.
Message privé. Wow. Vous voulez lire les gars, bah vous faites pause. Vous ralentissez. Ces mecs sont acerbés. Ok. Moi, je complimente tout le temps les gens. La boucle est gérée à partir de... Vous avez gagné un super cadeau. Trop facile. Super. Trop facile. Ça marche. Par rencontre, Tori de chaque boucle. Voilà. Vous en avez terminé avec Up-Down. Pour le moment, prochaine étape de complexe. Vous pouvez continuer l'exploration Up-Down en rejoignant direct la sortie. Vous aurez de nombreuses occasions de revenir à Up-Down plus tard. Alors, ne vous forcez pas à en explorer le moindre recoin pour le moment. Si vous mourrez avant d'avoir quitté le quartier, Cote recommencera une nouvelle boucle, perdant ainsi les armes et les breloques récupérées depuis votre arrivée à Up-Down. Cote a autrefois appris a toutefois appris tout ce qu'il devait savoir ici. Vous vous retrouverez donc directement devant votre prochain objectif, le complexe. Bon bah voilà au complexe hein. Tu te fous de ma gueule. Et attends, ils les ont fait venir. Quoi? Comment je peux enlever? Pourquoi ils me l'ont fait revenir? Attends, il y a un truc pour me soigner ici. Ils ont fait revenir les gens? What? Ils m'ont enlevé de la vie comme ça gratos? Attends, pas de soucis, gars. Moi, je vais pas les laisser venir. Je vais pas les laisser me tuer comme ça. Hors de question. Ils sont malades. Tiens, barre-toi. C'est des ouf. Bah, ils se sont barrés. Bon, on va aller à la suite. On peut descendre par ici. C'est une aile serpente sous l'île tout entière. 51. C'est mon ticket d'entrée dans le complexe. Et oui, c'est ton ticket d'entrée sur le complexe.